Sont passées les rediffusions de jeux stupides et d'émissions de télé-réalité. La télévision n'est plus ce qu'elle était, c'est bien triste. Garfield, Audi, ne regardez pas trop longtemps la télé. Vous savez que c'est mauvais pour les yeux. Je reste à pour petit monstre vert. Surtout n'oubliez pas, chers téléspectateurs, utilisez de la crème allégée pour votre baba à l'huile et à la béchamel. Il faut faire attention à sa ligne. Si votre conjoint vous jette la vaisselle à la figure et que vos enfants hurlent sans arrêt, vous êtes exactement la personne que nous recherchons. C'est tellement amusant d'apprendre avec Cote-Cote la poule géante. Et maintenant, les enfants, chantez avec moi. A, B, C. Vous battez tous les records en matière d'ignorance. Je suis désolée, mais vous êtes le nul des nuls, Serge. Au revoir. Incroyable ça, sur 758 chaînes, il n'y a pas une seule émission qui soit digne de ce nom. Chaîne 145, Télétridoscope, encore un de ces films de science-fiction à la noix. Oh, après tout. Bonsoir mesdames, messieurs, je suis le professeur Karl Franz. Soyez les bienvenus dans l'univers extraordinaire de la télévision virtuelle, une avancée révolutionnaire dont je suis l'auteur et qui va changer la face du monde télévisuel pour toujours. Grâce à la nouvelle technologie holographique que j'ai développée, bien trop complexe pour vos tout petits cerveaux, le télétridoscope va vous permettre de recevoir les personnages de vos séries préférées chez vous, dans votre salon. Et pour cela, vous devrez mettre une de ces paires de lunettes 3D ridicules. Pas du tout, monsieur le chat. Hein? C'est ça, toute la magie. Pas besoin de lunettes 3D pour télétridoscope. Allez, on commence, d'accord? Ouh, qui n'a jamais rêvé d'explorer les profondeurs de l'océan sans avoir à se mouiller? Moi. Oh. Ben mince alors. Wow! Vite, Eddie, va me chercher un couteau et une fourchette. Sois pas si fou, ça. Ce n'est qu'une vulgaire illusion d'optique. C'est pas en vrai. C'est en vrai. C'est en vrai de vrai. Alors, est-ce que ça vous a plu? Ben... excellent. Ce n'était qu'un avant-goût. Maintenant, dites-moi qui parmi vous n'a jamais rêvé de participer à un jeu télévisé. Combien pèse un moustique? Qui a inventé les croquettes? Quel âge me donnez-vous? 1 kilo, Vito, entre 20 et 70 ans. Je suis désolée, mais vous êtes le nul des nuls. Au revoir. J'aurais jamais cru qu'une tarte virtuelle soit aussi bonne. Et maintenant, pour nos jeunes virtuaux téléspectateurs, voici un joli conte de fées. Vous êtes sûr que ce haricot, il est vraiment magique? Bien sûr, fiston. Fais-moi confiance, il n'y en a pas deux comme celui-là. Oh, je me suis fait avoir. C'est qu'un haricot, il a rien de magique. J'ai comme un mauvais pressentiment, Rudy. Tu croyais vraiment que tu pourrais m'avoir comme ça, vermisseau? J'adore les contes de fées. Et maintenant, cher Téry, tu ne vois pas que je suis en plein milieu d'une émission? Pardon, professeur, mais on a un léger problème avec l'émission. Le haricot, il est plus tout à fait virtuel, techniquement parlant. On a reçu à l'instant l'appel d'une dame qui nous demandait si le requin, il pouvait cracher son mari. Suite à certains problèmes tout à fait inattendus, je suis désolé de vous informer que cette émission va se terminer dans 10 secondes. 9, 8... C'est sympa comme plante d'intérieur, non? Et nous tenons à informer que la chaîne ne saurait être tenue pour responsable des dégâts éventuels provoqués chez vous. Ah oui, 4-3-2-1-0. Je vais me faire un bon café. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est encore un coup signé Garfield. Garfield! Où es-tu? Vilain, vilain chat! Je crois bien que je suis rentré dans la télé. Garfield, sors de ta cachette immédiatement! Mais je suis là, John! Allez! Il est qu'il n'est pas par ici. Grâce au shampoing tout blond, vos cheveux seront blonds. Blonds comme de l'or.
Et blanc, bien entendu. Elles sont idiotes, ces publicités. J'ai dit... Cette fois-ci, Garfield va avoir droit à une vraie punition. Pas de lasagne pendant une semaine. Non, pendant un an. Quel temps fera-t-il demain? Il faut que je dise miaou dans quelle langue? Trop tard, vous êtes nul de nul. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ce n'est qu'une émission avec Garfield. Hein? Garfield, mais c'est impossible! Hey John! Vous faites des émissions de télé maintenant? C'est à moi qu'il s'adresse, hein? Tu veux que je prenne le programme? D'accord, voyons. Chaîne 145, télétridoscope. Il a dû y avoir un gros problème et Garfield a été englouti par la télé. Je vais appeler la chaîne. Ils sauront quoi faire, je pense. Tiens bon, Garfield, je reviens. B comme dans basse-cour et blé. M comme dans matin et mascotte. Et Z comme j'avais pas l'impression d'être ridicule. Vous devez m'aider. Si mon chat est coincé dans la télé, c'est à cause de votre émission. Ah, vous pouvez toujours envoyer une lettre de réclamation. Non, vous allez m'aider à le faire sortir. Bien, je viendrai dès que je pourrai. En attendant, trouvez un programme où votre chat ne soit pas en danger. Mettez-le dans une émission éducative, vous voyez? C'est déjà le cas. Il apprend en ce moment même l'alphabet avec Cote-Cote, la poule géante. Je n'ai pas dit mon dernier mot, docteur Moo. Fais ta prière, agent 008. Oh. John, il faut que tu me changes de chaîne! Dépêche-toi! Il est là. Je le sens. J'entends ses pas. Il approche. Je l'aurai cette fois. Zut alors! J'ai envoyé Garfield dans un film d'horreur! Chérie, c'est moi! Allez! Pourquoi ça marche pas? Oh non! La pile a dû sortir quand je l'ai fait tomber! Vas-y, il faut retrouver la pile, vite! Dépêche-toi! Oh non! Il va nous paver dessus! Hé, j'ai déjà vu ce film, normalement, le héros, il appuie là-dessus! Je déteste la télé. Ne t'en fais pas, Garfield. J'ai trouvé des piles neuves. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter une couche de fromage entre chaque tranche de lard cuillerée de sein doux. Oh. Salut, le petit mignon. Ça doit être le professeur Franz. Audi, ne touche pas à la télécommande. Hein. Maintenant que l'entrée est prête, nous pouvons passer à notre délicieuse fricassée de beignets au beurre. Sensationnel! Cette sale petite bestiole vient de manger mon entrée! Oh, allez! Garfield! Allez, zoom! Oh, viens! Je le prends! Je vais te faire rôtir, ouais! À choisir! Je peux faire l'extraterrestre! Voilà! Là, je suis sûr qu'il ne sera pas en danger! Madame. Grâce à ce merveilleux turbo holo extracteur, je vais extraire votre chat de la télé en un clin d'œil. Ne bouge plus le chat, juste une minute. Désolé, c'est trop dangereux ici. Embrasse-moi. Ne pas l'embrasser, ça va. Embrasse-moi. Garfield, tu es de retour. Est-ce que je suis content? Moi aussi. J'ai bien cru que j'allais y passer. Comment pouvoir t'en tirer comme ça? Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas embrassé. Allez, mon chaton, un bisou. Parlez, Popette. C'est embêtant. Je crois que mon turbo-extracteur a laissé le portail holographique ouvert. Tu chantes avec moi tout de suite, sinon je ponds un œuf sur ta manquette. Un bisou. Il est là. Non.
croyez pouvoir m'échapper? Reviens ici, espèce de voleur! Allez, viens! Je veux la voir, mon bisou. Je suis maman. Oh non! Embrasse-moi, embrasse-moi. 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 Allume cette télé tout de suite. Tu rêves. Bon Didio, le monde n'est visiblement pas prêt pour mon génie. Il est là. Hein? Il est là. Il chante avec moi tout de suite, sinon je prends un œuf sur ta manquette. Je crois qu'on a assez regardé la télé aujourd'hui, vous croyez pas?